Le 20 octobre dernier, le cégep de Valleyfield accueillait quelques 1200 personnes dans le cadre de son événement « Portes ouvertes sur l'éducation ». On est très content au cégep de Valleyfield de pouvoir enfin reprendre cette activité-là qui était tant attendue de la part de nos équipes ici au cégep. Ça fait malheureusement 2 ans qu'on a dû annuler cette activité de journée sur l'éducation. Donc, c'est vraiment une journée porte ouverte, mais pour l'ensemble des écoles secondaires du territoire, de nos 5 MRC de la Montérégie. Alors, ils sont plus de 1200 personnes avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette journée-là, fort importante, où ils pourront découvrir nos programmes techniques, préuniversitaires, cheminement, mais aussi ils vont pouvoir découvrir notre offre de services, parce qu'on a plusieurs services pour les étudiants qui nous arrivent ici au cégep et qui continuent leur route. On a aussi une offre étudiante incroyable, autant des activités sportives, socioculturelles, plein air, environnement. Donc, toutes nos équipes sont disponibles pour répondre à leurs questions et surtout pour leur donner le goût de venir étudier au cégep de Valleyfield dans leur prochaine année, parce que ce sont pour la plupart des élèves de secondaire 5, mais aussi un peu de secondaire 4. Cette journée spéciale a permis aux visiteurs de découvrir le cégep de Valleyfield grâce à des conférences, des ateliers ainsi que des kiosques regroupant les différents programmes de l'institution collégiale. L'un de ces programmes proposera d'ailleurs une nouveauté en 2023. Fait que chez nous, c'est la technique administrative. Fait qu'on a un volet technique de comptabilité gestion, puis gestion de commerce. On forme des techniciens qui vont travailler dans plein d'entreprises, que ce soit en comptabilité, en finance, en communication, en marketing, en vente. Fait que c'est vraiment super large, gérer des employés, gérer des commerces. Puis évidemment, ces gens-là, bien, vont travailler avec des ordinateurs. Les ordinateurs, bien, c'est un must. Il faut qu'ils soient à l'aise avec. Puis les employeurs, ils nous le disent. Nos étudiants, il faut qu'ils aient vraiment plus loin. Fait que de penser au deck portable, notre nouveau programme, c'est juste super logique pour nous. On veut que les étudiants pratiquent dans leur cours. Donc, avec le deck portable, ils vont amener leur ordinateur dans le cours, puis ils vont utiliser l'ordinateur pour vraiment faire des travaux, prendre des notes, faire des présentations orales, que ce soit des quiz, que ce soit des examens. Fait qu'ils se pratiquent avec les fonctions, être plus efficaces pour répondre au marché du travail. Le deck portable offert dans certains cégeps du Québec propose plusieurs avantages. En technique administrative avec le deck portable, bien, tout le volet technologie, on a fait un recensement au Québec. On est dans les 10-15 premiers cégeps à introduire le deck portable. On est en 2022, on est de moins en moins papier. Fait qu'on va être vraiment plus techno. Je pourrais vous donner plein d'exemples des partenariats qu'on a avec des entreprises. On n'est pas toujours dans les livres. On fait intervenir beaucoup d'entrepreneurs de la région. Fait que c'est vraiment un plus de venir ici au cégep de Valleyfield en technique administrative. Bien, en fait, le deck portable, les avantages, c'était surtout de parfaire les habiletés des étudiants là, au niveau de la plateforme et tous les logiciels qu'on utilise en technique administrative pour une meilleure aisance sur le marché du travail, mais également pour une meilleure efficacité à l'université si tel est leur choix. Donc, ils achètent un ordinateur portable personnel puis ils doivent l'emmener dans leur cours avec eux. Donc, c'est vraiment leur outil, leur appareil, mais ils apportent ça en classe. Puis ils suivent les cours en présentiel au cégep sur leur ordinateur. Puis au niveau des avantages, bien, c'est sûr que le deck portable permet aussi de sauver quelques coûts au niveau des manuels électroniques. Puis ça permet d'avoir un regroupement de tout le matériel informatique au sein du même appareil pour les étudiants. Pour ceux et celles qui pourraient être tentés par le programme, sachez que les débouchés sont nombreux. Bien, on pourrait travailler dans des institutions financières, dans des cabinets comptables, on pourrait travailler dans des boîtes de pub ou petite entreprise, je me pars mon entreprise, fait qu'il faut gérer tous les départements. Fait qu'on s'entend que c'est super polyvalent, notre programme. On n'en a pas parlé, mais ça pourrait aussi mener vers l'université. Puis l'université, bien, l'ordinateur, on a aussi besoin. Le taux de placement, si on regarde en un seul, il y a une grosse majorité de nos étudiants qui aiment tellement les cours qu'ils vont continuer à l'université. Fait que les autres se placent, il n'y a pas de problème. Les employeurs, ils nous appellent, ils cherchent des stagiaires. Puis on est obligé de leur dire, bien, on en manque. On ne peut même pas fournir ce qui est. Fait que le taux de placement, je vous dirais, à 100% actuel, qu'on parle marché du travail. Combler avec l'université aussi, ouais. Puis les profs, la technique, ils ont vraiment à cœur que tu veuilles réussir, sont là pour toi, sont disponibles, veulent t'aider, veulent que tu performes. C'est dans ce contexte-là aussi que j'ai pu faire présentement des études de cas en comptabilité pour la coupe paillée qu'on appelle. Tu fais vraiment des études de cas par rapport à la comptabilité. Puis tu peux gagner des bourses d'études, tout ça. Puis la prof qui nous forme, mais nous aide dans ce cheminement-là pour être à notre meilleur. Elle est là pour nous, elle nous challenge, elle nous dit « OK, vous avez été là, c'est bon, je suis allée là ». Elle nous donne vraiment un plus, un bagage de plus. Je trouve ça vraiment, vraiment là, une des choses les plus genre, merveilleuses, je trouve. Parce que quand on va aller sur le marché du travail, veut, veut pas, on veut performer, on veut être bon, on est là pour ça.
Enfin, pour revenir aux portes ouvertes sur l'éducation, cet événement offre plusieurs possibilités aux jeunes qui sont à l'orée de faire des choix importants pour leur futur. On n'a pas de données précises sur le nombre de personnes qu'on réussit à convaincre de venir étudier au Cégep de Valleyfield après les journées portes ouvertes, mais c'est sûr que la littérature, toutes nos données démontrent que les journées portes ouvertes, autant le soir comme on a eu la veille le 19 octobre avec les parents, autant une journée comme aujourd'hui où on accueille les écoles secondaires, c'est déterminant dans le choix des élèves. Ça fait partie des éléments qui influencent en fait le plus le choix de ces jeunes-là à choisir leur cégep ou sinon à choisir un autre parcours. Donc vraiment, ça permet d'avoir une multitude d'alternatives, d'options qui s'offrent à eux et d'échanger avec toutes sortes de personnes qui peuvent partager leur passion pour différents métiers, programmes, formations.